19h30 à Kinshasa, une heure de plus à l'est de la RDC. Différentes heures dans les mondes, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information. Ouvrons cette session d'information à l'aéroport international de Njuli, où le président kenyan Uhuru Kenyatta est arrivé à Kinshasa, à l'aéroport international de Njuli, ce mardi 20 avril 2021, pour une visite officielle de 48 heures. Il était accueilli à sa descente d'avion par son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine. Les deux chefs d'État ont eu une réunion en tête-à-tête ce mercredi 21 avril à la cité de l'Union africaine. De plus amples détails, suivez. C'est au pavillon présidentiel de l'aéroport international de Njili que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu en audience le ministre égyptien des Affaires étrangères. Le patron de la diplomatie égyptienne, porteur d'un message du président Al-Sisi, est aussi venu solliciter à nouveau l'arbitrage du président en exercice de l'Union africaine dans le dossier du grand barrage d'Éthiopie. La relance des pourparlers entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan sur ce grand barrage construit dans le Nil bleu a eu lieu du 4 au 6 avril courant à Kinshasa. Le contenu de ce message est de remercier M. le Président Tshisekedi pour les efforts qu'il déploie maintenant pour trouver une solution pour la crise des barrages de la Renaissance. L'Égypte attache une grande importance sur l'intervention du président Tshisekedi comme président de l'Union africaine pour trouver une solution, un agrément entre les trois parties qui prendre en considération les intérêts des trois pays. Des pourparlers suspendus qui devraient reprendre incessamment sous le leadership du président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Changeons de chapitre pour parler du ministre sortant de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Willy Bakonga est arrêté à Brazzaville alors qu'il tentait de se rendre à Paris. Selon le source policière à Brazzaville, relayé par AFP, Bakonga a été débarqué d'un avion Air France en partance pour Paris. À Brazzaville, Willy Bakonga est détenu dans les locaux de la centrale intelligence de documentation. Il y a eu de rappeler que cette arrestation intervient au moment où pèse sur lui le soupçon de détournement de fonds alloués à la gratuité de l'enseignement de l'éducation de base. Parlons maintenant de l'Assemblée nationale, où le speaker de l'Assemblée nationale a échangé avec Henri Rasbran ce mercredi 21 avril 2021, leur entretien en tournée sur la coopération entre la RDC et la Suède. Le diplomate suédois a échangé avec Christophe Mbosokodia sur la continuité des activités parlementaires et des possibilités de formation entre le Parlement de ces deux États. Suivez. Oui, on a échangé sur plusieurs questions. On a tout d'abord parlé des longues relations entre nos deux pays qui datent depuis la fin du 19e siècle avec l'arrivée au Congo des premiers missionnaires suédois. On a parlé aussi de la présence de la Suède ici depuis 1960 et bien avant, comme je viens de mentionner. Et on a parlé aussi de notre travail aussi à travers les Nations Unies, à travers le feu secrétaire général Dorian Majold, dont on a parlé. On commémorera le 60e anniversaire de son décès en septembre prochain. Mais on a aussi parlé des activités d'aujourd'hui, de la Suède ici en RDC, à travers notre coopération au développement avec la nouvelle stratégie du gouvernement suédois. Et les différents volets de cette stratégie, la santé, plutôt les questions de valeurs, développement démocratique, état de droit, égalité des genres, respect des droits humains, mesures anticorruption. Et aussi un autre volet qui est plutôt sur des communautés, sociétés durables, paisibles, stables. Et à travers différentes activités, et aussi un autre secteur qui est plutôt lié aux questions d'environnement, climat, biodiversité, énergie. Et on a aussi parlé de la présence d'entreprises suédoises ici en RDC dans différents secteurs et l'intérêt qu'on voit
des entreprises suédoises et pour aussi la RDC. Et on a, là aussi, on a parlé de, des questions de climat des affaires et aussi le besoin de continuer ce dialogue sur des améliorations possibles aussi en ce qui concerne le climat des affaires, investissements internationaux et d'autres questions. Bon, tout d'abord, on est toujours là pour continuer le dialogue entre nos deux pays. La Suède est l'un des grands partenaires de la RDC. Et on a parlé aussi d'un dialogue continu, moi et le président, et d'un dialogue continu, d'échanges continus entre éventuellement aussi entre nos deux parlements et surtout aussi entre nos deux pays. Et aussi peut-être aussi des possibilités de formation et un dialogue continu sur ces questions, sur les activités parlementaires et les activités de Parlement ici en RDC. Quittons Kinshasa, rendons-nous aux provinces où la vague de destitution de gouverneurs se poursuit en province. Après Maweja dans le Grand Kasaï Oriental, Bamanissa dans l'Ituri, Walelufungula de la Tchopo, c'est le tour de Dieudonné Opiémé du Kasaï. Ces derniers a été destitué par le député provincial ce mercredi 21 avril 2021. 22 députés sur 28 présents dans la salle ont voté pour sa déchéance. Les gouverneurs dessus étaient absents dans la plénière qui a décidé de sa destitution. Toujours en province, une délégation de 6 députés nationaux élus de Beni Boutembo est arrivée mardi 20 avril après-midi dans la ville de Beni, selon Paul Mouindo, présent du caucus de députés du Grand Nord de la province du Nord Kivu qui conduit cette délégation. L'objectif est de participer à la pacification de la région. En effet, depuis une dizaine de jours, de groupes de pression et mouvements citoyens organisent des manifestations et de journées ville morte à Beni et Boutembo pour exiger le retour de la paix et le départ des organisations humanitaires ainsi que la MONUSCO. Toujours en province, la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri préoccupe l'ancien chef rebelle de l'Union de patriotiques congolais, Thomas Lubanga. Pour désamorcer la crise, il propose au gouvernement congolais d'envisager avec l'appui de la communauté internationale l'intervention d'une force d'un genre actif. Mise intervenue en 2023 en Ituri. Selon Thomas Lubanga, le gouvernement congolais a perdu ses attributions régaliennes et dit ne pas comprendre comment depuis 2017 le gouvernement n'arrive pas à protéger les civils qui sont à la merci des groupes armés locaux et le massacre continue. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir. Thank you.